La pierre bleue, c'est l'une des richesses du sous-sol énuyé. On l'exploite, on l'exporte, et au pôle de la pierre à Soigny, on apprend à l'apprivoiser, comme les tailleurs d'antan. On parle beaucoup de machines numériques, d'innovation, c'est des éléments essentiels, mais au sein de l'Institut du patrimoine, au sein du pôle de la pierre, on a pour conviction que les fondations de toute cette évolution restent les savoir-faire, le talent des hommes de métier, les techniques et les gestes qui sont les fondements de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la pierre bleue. Le projet européen Bluestone vient d'ajouter une nouvelle pierre à l'édifice. Il y est question d'innovation, mais aussi de restauration. C'est un métier différent de celui de tailleur de pierre, restaurateur? Alors, ce n'est pas un métier différent, c'est une spécialisation complémentaire. C'est un petit peu comme si vous alliez dire que vous travaillez en pédiatrie et en gériatrie. Eh ben, nous, on est dans la gériatrie. Le vieux cimetière de Soigny, 150 monuments funéraires, un patrimoine classé, mais vieillissant. Une cible idéale pour un chantier école. Donc ici, ça fait partie du deuxième jour de la formation. Ils ont travaillé sur des techniques de nettoyage. Ici, la particularité avec Marie de Belder, c'est des techniques très douces, très peu intrusives. Ce n'est pas des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques, des résines, des décapants ou autres. Je pense qu'elle a travaillé avec du blanc d'Espagne, une technique très douce. Parmi les apprentis, on trouve un futur artisan, un ouvrier communal et des fossoyeurs de la commune de Silly. Disons que si on voit un monument maintenant, grâce à la formation, qui se dégrade, on peut le signaler. Si maintenant le travail est possible, on peut intervenir pour le réparer. À terme, le chantier école ambitionne de rénover complètement ce calvaire pour redonner un socle à cet ange déchu qui a dit qu'il était fini le temps des cathédrales. De futurs architectes deuxième et troisième année d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles débarquent sur le site de l'ancienne carrière Rouynx à Soigny. Les lieux sont en travaux parce que le pôle de la pierre est en pleine extension, mais il fonctionne déjà à plein régime grâce aux fonds européens notamment. Benoît Lemens est architecte et travaille pour la WAP, l'agence wallonne du patrimoine. Il est notamment chargé de la valorisation de ce pôle de la pierre. L'idée était de rassembler tous les acteurs de la formation métier de la pierre sur le même site, avec les différents modes d'apprentissage des techniques de la pierre. Alors, l'agence wallonne du patrimoine est présente sur le site et va transmettre tous les savoirs liés au patrimoine, les savoir-faire traditionnels avec les tailleurs de pierre, les techniques de taille, les techniques de réparation de pierre, de nettoyage des pierres, pour pouvoir intervenir sur le patrimoine et vraiment transmettre tous ces savoir-faire
qui peuvent parfois avoir tendance à disparaître. Ensuite, on va avoir l'IFAP EME qui, elle, c'est chez les jeunes. C'est l'apprentissage en alternance, des jeunes qui viennent au pôle la moitié du temps, qui sont la moitié du temps en entreprise et qui apprennent le métier comme ça. Et ensuite, un autre public, les demandeurs d'emploi à travers le forum. Donc des demandeurs d'emploi qui viennent 6 mois ici sur le site. C'est d'ailleurs eux qui échangent avec les étudiants aujourd'hui et qui vont apprendre les techniques de taille. Avec également le fonds de formation des carrières qui intervient pour les aspects de sécurité et de manutention. Pendant qu'un groupe d'étudiants visite la carrière du CLIPO encore en activité, l'autre partie des élèves s'initie avec les stagiaires du forum à la taille de la pierre. Appréhender la matière pour sublimer son potentiel par la suite, c'est essentiel pour ces futurs architectes et architectes d'intérieur qui auront l'opportunité de participer par la suite à un concours transfrontalier. C'est super intéressant parce qu'on prend complètement conscience de l'importance du métier, de comment est façonnée la pierre bleue. On a été aussi sensibilisés par rapport au fait que c'est un patrimoine belge. Quand on fait des projets en Belgique, c'est vrai que c'est toujours sympa, même pour l'environnement ou même au niveau culturel. C'est toujours mieux de prendre des matériaux locaux. Et là, vraiment, venir ici pour visiter les ateliers de la pierre bleue, on prend vraiment conscience de la difficulté du métier et ça a un vrai intérêt. Et puis voilà, on voit toutes les possibilités de la pierre bleue. Et c'est vrai que même moi, avec mes projets que j'ai en ce moment, je me projette avec ce matériau. Ça offre plein de possibilités qu'on ne soupçonnait pas. Donc c'est vrai que cette journée, elle est vraiment utile. Cette sensibilisation participe d'un projet plus vaste de redynamisation de l'activité économique transfrontalière, Hainaut et Avesnois, des métiers liés à la pierre bleue. Le projet Blue Stone est financé par les fonds Interreg 5. L'objectif, c'est vraiment de créer le carrefour européen de la pierre bleue à travers une plateforme numérique qui est en train de se mettre en place et qui va vraiment réunir l'ensemble des acteurs de la filière avec différents outils à disposition des acteurs pour accompagner au plus proche les besoins donc des différents acteurs économiques et notamment des entreprises. Et donc pourquoi objectif Bluestone, mais aussi pour donner un côté, je dirais, international au projet et valoriser à l'échelle transfrontalière mais également internationale l'image de notre belle pierre bleue. Bluestone, le pôle de la pierre, le patrimoine wallon, les fonds européens, la ville de Soigny, la province de Hainaut, on veut mettre les moyens pour donner un nouvel élan à la pierre bleue.